toute particulière avec toute frein action captain là depuis dans ville Paris capitale pays la France d'après ça Fano Vigues fait connaître toute Paris branché pour faire grand voyage ça ensemble avec nous nous saluons toute frein action qui en Guyane française d'après signal pasteur Pentièvre Renaud Pentièvre déjà bon nous pas gain discussion évalier beau plan dit moula Charles Séchancy dit assez BSD honnête dit Edem, Jérita Dieu dit en avant, Garcia Delva même a dit Haïti avant, Antoine Godon Ménémé dit faut qu'on entente nationale, Willow Joseph dit faut qu'on exemple national, Antonio Cherami dit c'est une matrice libération, et puis Jean-René Sénatus dit faut qu'on ait l'ordre démocratique. Très non, bon. Non, pas moi seulement, nous avons joué 10 partis politiques dans la 50e législature là. En attendant. Très bonne inspiration pour démarrer le journal là matin, mais qui très mal commencé pour moun qui a quitté sud pays pour rentrer sous Port-au-Prince. Et moun qui a quitté Port-au-Prince pour aller dans la direction sud, puisque dans le niveau Fontamara, il est difficile pour traverser. Il y a un trailer avec un bus jaune qui barre route là dans le niveau Fontamara 43 avec Fontamara 45. Mackinson Rémy, bonjour. Qui première explication gagné sous situation? Ça qui paraît matin sous Fontamara. Nous avons des raisons qui causent entre les appareils route là, mais sauf que j'ai déjà parlé avec un responsable de CPRIO et qui dit qu'il y a fait un gros mouvement pour comment il y a un autre sud capitale là, suivant pour matin. Mais et forme de ça, Dérénel René, première image montrée à Clair. Et zone Delma 18 toujours bloquée. Donc, machine qui a sorti et Delma, pas capable de passer Delma 18. Et machine qui a sorti et Delma 2, tout pas capable de passer Mohamed Isalia. Eh bien, hier dimanche, là, il y a beaucoup de temps qui a tiré dans la zone de l'air. Plusieurs ticailles toujours continuent à bouler les populations aux abois. C'est première image, zone ça pour matin. Mais à part ça, trois axes qui connectent avec Petitville le matin, pas plus mal. Machine qui a sorti et Delma pour descendre jusqu'à Cafou Aviation, a descendu sans problème pour matin. Machine qui a descendu par Petitville, descendu par Boudon, a descendu sans problème pour matin, jusqu'à Port-Aïléogane. Machine qui a sorti Petitville, plusieurs bus, après passer par des brosses, descendre maintenant, il vient jusqu'à Port-Aïléogane. Maintenant, nous montons, nous descendons, nous demandons sous-commissariat canapé vert. Eh bien, nous toujours dans le monde matin, nous ne pouvons pas remarquer dans le monde, mais je ne peux pas remarquer devant poste là. Mais sous-commissariat canapé vert, toujours dans le bout de l'eau de cette pour accompagner la population. Comment ça y est, dans notre capitale, la machine qui a sorti Corail, Canaran, Jérusalem, la machine qui a sorti zone minoterie, va passer sans problème pour matin, hein, et sur route 9, qui a fait directement sur route nationale numéro 1, hein, pour devoir le bébé devant le parc industriel là. Eh bien, matin, hein, nous avons deux packs là même, c'est en dehors de l'entrée du parc industriel là. Et plusieurs bus à charger en fast-track là pour aller dans le département nord-est ce matin. Plusieurs dizaines d'employés ont commencé à prendre une facture via le travail. Mais pas oublier, mais c'est caché, respecter la distanciation sociale là. C'est ça, ministère de Santé publique, Mme Gritte, a toujours demandé. Madame dit qu'on a vu cela pour disparaître. Que Donald Trump, lui-même, voit des bagailles dans elle, ça les défend plus toujours. Donc, tout le monde qui a pu les États-Unis, Haïti, faut toujours respecter le principe. Parce que maladie qu'on a vu, ça va faire une porte. Quand on a sorti Kerskov, qui a passé la boule, fait mat, fait les reins, descend jusqu'à Pétionville, tu peux aller tomber dans le marché Coco et marché Télélé, quand les machines ont commencé à mettre à terre, il est capable de descendre sans problème pour matin. Dans Pétionville, qui va plus mal, magistrat Normil, c'est monté 7 fois. 77 fois, 7 fois, parce que vous ne faites pas tourner quoi pour ça, et bien, tu jettes, tu employes, voyez comment ça a coopté. Mathé Bonnet, même si tu es dans la commune Port-au-Prince, nous, et puis jettes, tu employes, tous en chemin, ça, qu'à Bali, Bonnet, le matin. Et bien, ça, c'est une quête, tu as vu la même souffrance, pour descendre Corail, son véritable problème, ou de la casée, sous commissariat, Vivi Michel, là, notre situation difficile. Mathé, passez devant ce commissariat, ça, son véritable humain, notre situation pas bon même. Donc, position à vivre notre situation vraiment difficile. Et là, je dis pour responsable logistique là, capable d'accompagner sous-commissaire Vivi Michel là, qui fait noir pour l'autre. Il y a une situation qui m'a bon même j'avais des policiers qui ont pas mon cabri. Situation vraiment difficile pour eux. Ils sont flash, ils sont ingénieurs réflecteurs. Il y a une situation qui est difficile. Les policiers, le matin, et qui appellent les machines, c'est pas policier de CPR, non. Les policiers normal, ils méritent des ingénieurs réflecteurs, ils méritent flash dans les donc machine capable, n'importe qui les rentrer sur eux. Son situation, nous-mêmes, nous dénoncer. Comment ça y est, le 43-29, 77-40 là,
si ça, auditeur, vous voulez deux journaux, première occasion pour matin, eh bien, il y a plusieurs citoyens dans la quatrième section, aussi, qui m'ont dit autant de choses, passer avec eux, la vie n'a pas bon même dans la zone ça. C'est tout avec agriculteurs, la vie n'a pas bon même dans la zone, je m'en dis pour l'autorité d'accompagner mon ça. SOS Police pour zone tabac, Issa, le groupe gang a pas de problème dans la zone ça. Population à la police sera pas bon gens gérer situation ça mon cap coupé tête mon préconnait monde dans zone village Issa zone tabac là tout le Port-au-Prince situation pas bon même j'ai un citoyen m'a dit qu'il chasse les abrégler à cause route des dozer qui pas bon même qui campe depuis quelque temps je m'a dit pour autorité nationale au fond gens parce qu'avec tout ça qui dans situation difficile c'est toute zone là pleine qui pas bon même que j'habitant Fontamara elle est en moins à cause de tout sable capoa capola moa qui pas capable encore et je m'a dit pour autorité au fond gens dans cette situation difficile. Alors, ce que l'on dit, c'est que la population a dénoncé, qui prend presque une bonne route là, et ça cause presque pas d'un croisement, il y a une situation qui est vraiment difficile. Je vous demande pour tout le monde d'être capable à le prendre le ça. Et bien, c'est une situation qui est vraiment difficile. Pour ce qui est l'organe, ce qui est fait glisser, ce qui est fait présenter route nationale numéro 2. Déjà, à cette zone, localité, Boucan, la prise, zone route des frais, plein en pile. À cause de blackout, la cabane, pile pour le maison ça, il y a un groupe gang qui tablit quoi, il y a un responsable de la police au fond, Jean, j'ai une question ça pour eux, il y a une situation difficile. Parce qu'il y a plusieurs monde qui plaignent tout à cause de ce que je fais qui fait le week-end, non? Mon ça a dit, en pile, mon ça a dit, passer un mauvais week-end, il y a un peu pour autorité au fond, Jean, pour eux. Je fais mon peu dénoncer cette maison moto. Qui montait pour eux deux fois plus en goudre. Je m'en dis pour autorité au fond, Jean, j'ai une question ça pour eux. Situation pas bon même, donc prix en dollars, qui m'ont coûté 1000 dollars, passé à 150 000 goudres. C'est une situation qui est vraiment difficile, une situation qui m'a eu problème. Alors, ce qu'il y a plusieurs citoyens qui vivent en kawash, qui sont sur une zone non repos 38 sur route là, ça va se craser route là à cause de l'eau. Ça plaît ma chine, demandez pour magistrat Fongean, j'ai une question ça pour eux. Habitants marins, nous les envoyés à cause de l'équipe groupe gang qui a baillé pour le maison ça, et bien ils ont entré dans le collège, coutilien, couta, ils ont crasé, brisé, professeur, élève, tout le monde te prend bâton, population a demandé pour la police capable de gérer la situation ça pour eux. Numéro de la police, c'est 114, par les sous pas besoin. Pour tout cas coronavirus, c'est 43, 33. Voilà, du coronavirus, c'est pas une blague. Président Donald Trump, il y a tout le monde dans le même. Pour qu'il y ait une affaire pour le pays d'Haïti. Et du problème, gros, il est parti, 59. Soupral, prends la mer. Soupral, dans le lago, dans la caille, pas dans Jérémy. Pas oublier, mettre des gilets sauvetage. Et vous aussi, maintenant, c'est arrivé, 722. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, 4x4, Mackenson Rémi, allez, et puis toujours quitter téléphone ou l'ouvrir à n'importe qui moment, depuis le journal là beaucoup fermé, nous capables, bon, petit coup de fil, soit pour le confirmer ou vérifier une information pour nous. Une autre fois, bonne semaine tout le monde à Caraïbes FM, une semaine qui dérapait en mal macaque, la mort tribobabo, donc la mort dans le palais national, la mort et dans l'école normale. Mal, l'amour. Donc, il y a une femme à Kenson si aller dans la zone ça. Donc, tout près tabac, côté à couper tête monde. Donc, il y a vraiment terrible. Donc, de jour en jour, pays en route, côté en pile, on a questionné tête. Qui côté exactement n'a privé avec pays ça? Précaution est toujours de mise. Donc, c'est avec l'école normale là, on a l'ouvri, étudiant l'école normale là? Oui, c'est avec. Oui, nous n'avons pas son tout. Oui. Étudiant en école normale supérieure, Grégory Saint-Hilaire, 29 l'année, qui est tombé en babal en dans propre faculté. Hein. Déjà, on suspecte la justice a bousqué couché fou. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui fait déclaration ça, fait connaître DCPJ gain l'ordre pour enquêter sous circonstances la Mossa et puis cadavre là a gain pour aller dans autopsie rapide vite. Gabriel Ducamel qui dit pas qu'il a pris un dossier ça à cœur. Mandé étudiant. J'ai eu tête frette, crime ça pas priorité sans punition. Donc, n'a pas de commissaire. Oui, n'a pas commissaire là tout à l'heure. Bon, mm-hmm. Mettre que nous avons côté cri. Ah oui, maman. Oui, qui lui-même était trouvé dans l'école normale et après drame ça. Donc, étudiant qui était fini recevoir à Bala et qui est allé à l'hôpital général. Il a besoin de médecin. Il était obligé d'aller bien à Meuse, à Cli, et c'est là les derniers soufflets. Il dit c'est seul petit cri. Oui, seul petit
petit là qui mourait dans condition ça. Écoutez, maman Grégory, c'était tout de suite après crime dans l'école normale supérieure. Mes amis, pour je dis à ce qu'on s'aille au bas, moi, pour mes amis, passer pour me réveiller là, c'est je dis à ça, mes amis. Bon Dieu, mes amis, les Haïtiens, ouais, ça m'a fait moins, parce que moi, je ne vais pas préparer pour ça. Et voilà pour qui maman Grégory n'a précisé c'est troisième petit. Grégory pas seul petit lit contrairement à la première formation que nous t'es gagné mais cri ça c'est cri toute maman c'est cri PIA on cri pas différent des crimes d'attendez nous dans le journal là vendredi par exemple policier avec trois victimes ça ça a demandé en termes de sacrifice investissement pour maman faire éducation petit lit non pays côté l'empile la famille maman lever petit yo sans papa donc c'est toute force et toute investissement dans des conditions vraiment difficiles panier sous tête j'en saute expliquer là donc et ça comme ça paraît terrible hein, c'est que y a pas de monde qui est malade qui est à l'hôpital ou comment ça m'a dit là qui est levé qu'à la faculté puis pour l'ordre mais la bien ensemble c'est une situation terrible ça. Donc il y a nous attendez commissaire gouvernement Dicamel Gabriel et qui dit que il y a travaillé sérieusement pour le bien fait autour des circonstances qui entouraient Calamo Grégory Saint-Hilaire. Commissaire gouvernement, Gabriel de et nous autres, au niveau du parquet de Port-au-Prince, nous défions de cette affaire-là et nous croyons que c'est inacceptable, surtout l'un qu'on est qui sacrifice, comparant consenti pour continuer à vivre là. Donc, moi, en tant que commissaire du gouvernement, étudiant à l'école normale, m'a rappelé que j'étais passé à l'école normale tout. Donc, dossier Grégory Saint-Hilaire là, son dossier que nous prenons à cœur. Et nous profitons de l'occasion pour nous demander toute communauté universitaire là, et en particulier étudiant à l'école normale, yo, pour comprendre que nous avons la rue, et pour que nous gardions calme et sans froid. Parce que, et par rapport à cette fête-là, nous sommes obligés de faire une enquête et nous avons besoin de plus de sérénité pour permettre que nous avancions. Donc, comme nous disons, nous annonçons l'ouverture d'une enquête. Donc, au niveau du parquet,
nous avons donné délégation à la DCPJ afin de diligenter une enquête autour de cet incident qui permettra de rechercher et d'identifier les auteurs et complices. Nous avons aussi demandé au médecin légiste de procéder à l'extraction des projectiles et à l'autopsie du cadavre. Donc, une fois que nous faisons l'autopsie, gagner du projectile qui extrait, n'a pas fait une étude balistique qui va permettre que nous quittions type d'armes, qui calibre, etc. Et probablement pour qu'ils m'ont oublié, donc à partir de ça que nous gagnons un système de délai. Parce que ça qui est important dans le cadre de l'OCA, c'est arriver à identifier auteur atteint. C'est-à-dire qui monde qui commet atteint. Donc, on pense que c'est seule enquête qui va permettre que nous fassions ça. Et dans le cadre de l'OCA, on suspecte que nous recherchons activement et nous gagnons des informations. Donc, j'ai bien dit un suspect, donc n'a pas avancé à l'OCA pour nous ressentir. Donc, garantie que nous avons mieux, c'est que son crime qui n'a pas été impuni et celui qui a commis ce forfait, il doit répondre et il répondra de ses actes. Donc, comprendre que dans le monde qui est dans la rue, par rapport à cette fête-là, qui exprimait mes contentements, on comprend ça, mais la commande est pour ne pas nous croiser briser, donc rester calme, garder son froid et nous capables de faire nos confiances pour que l'enquête-là t'arrive à bout. C'est parce que moi-même, je suis un seul étudiant à l'école normale. L'école normale, d'ailleurs, sont l'école qui parle ouvrir qui stable. Donc, passer 3 ans, 4 ans à l'école normale, c'est un sacrifice que nous faisons, et pas seulement à l'école normale. Bon. Dans toute l'université d'État, moi en particulier l'école normale, je me dépassais. Donc, je pensais que nous tarifions indifférents par rapport à cette fête-là. Et c'est une perte pour le pays. Mais il y a comprendre que son enquête qui est en cours, il y a un DCPJ qui a une délégation de pouvoir pour diriger ton enquête. Et il faut que nous avancions pour nous arriver à identifier l'auteur accent. Commissaire gouvernement, paquet tribunal civil, Port-au-Prince, M. Ducarmel, Gabriel, concernant incident ça qui vivait week-end dans l'école normale supérieure. Yo, c'est pas pour première fois. Un incident arrivé dans l'école normale. Là, notre direction de l'école l'a mis dehors. Côté, yo condamné à force, yo, assassinat, ISA, sous yon étudiant, yo, Grégory Saint-Hilaire, dans la cour, l'école, la direction, longée droite, à Paxa, sous agent GPNO, direction rappelé, oui, c'est pas premier et froid, étudiant subi Zach brutal, agent Sayo, côté de notre protestation, il mettait dehors, il fait qu'on est dans moins sur l'année, institution Akmoun qui a fréquenté lieu, subi plusieurs attaques dans ce centre pour la date 20 novembre 2019, 13 mars 2020, avec 2 octobre, ça, côté fois ça, c'est non, moi, qui vient de Jonio, c'est un acte malhonnête qui planifiait, auteur, agit sans peur ni crainte, personne, monde, côté, yo, promette, Zach, ça, à cause, impunité, à, journée, jeudi, à, crime, yo, banalisé, dans le quartier populaire, caille privé, et même dans l'université, à, selon notre, l'école normale, là, qui écrit, fois ça, c'est trop, pendant, yo, mandé, toute université, à, nation, mobilisée pour mettre, un bout non, pratique ça et rend justice à la victime, à toute famille. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui dit qu'il apprend avec un peu de consternation la mort tragique étudiant Grégory Saint-Hilaire dans la date de octobre 2021. Le ministre de l'Éducation nationale dans notre plan déploré la mort étudiant finissant l'école normale supérieure. En même temps, on dit avec autorité concernée pour être capable de diligenter une enquête rapide au Priston façon pour déterminer circonstances qui entourent de l'âme ça, qui viennent la guédeuil dans mes temps famille, dans mes temps famille universitaire, dans le ministère a présenté sympathie, bah, les familles victimes, dans les proches, li, avec toutes les milieux, avec toute équipe l'école normale sibérienne, qui ont même affecté par la mort tragique ça. L'autre réaction, c'est toujours dans le cadre de la mort ça. Dernier OPC, oui, Office Protection Citoyen, qui condamné à la violence qui arrivait sous l'école normale supérieure d'après-midi. Vendredi 2 octobre 2020, attaque qui coûtait la vie à étudiant Grégory Saint-Hilaire dans notre livre public au PC. Rappelé, selon la loi, pièce monde pas de violer espace universitaire autorité ou bien pour devoir protéger dans toutes circonstances. Office citoyen qui salue démarche inspection générale, la police nationale qui a
annoncé une enquête sur l'événement pour joindre coupable, souhaité joindre auteurs à criminels et poursuivre selon la loi pendant l'office de protection citoyenne. Profiter pour demander responsable université à joindre une solution rapide dans la crise qui a traversé l'école droit. Gonaïve là, dans l'intérêt rectorat, plusieurs milliers d'étudiants qui consentent gros sacrifice. Situation ça risqué boycotter année l'école là. L'autre mot, c'est dans le palais national qui en deuil. C'est le mot Étienne Moïse, papa chef de l'État pays, Jovenel Moïse, qui mourit dimanche 4 octobre 2021. La Kaeli, dans la deuxième ville pays, au Cap-Haïtien, département Nord. D'après confirmation, bureau communication la présidence, qui va bailler trop de détails sous vraies circonstances. La mort, toutefois, nous apprend Étienne Moïse, technique 98 l'année. Il n'y a pas de poté le bien depuis quelques mois. Il est vivre dans la localité La Madeleine, très précisément sur route village SOS dans Cap-Haïtien. Il était sous surveillance médicale la Kaeli. D'après information, nous arrivons joindre le chef de l'État PIA, Jovenel Moïse, présenté par Pal, un modèle, un conseiller qui a rempli mission sous la tête avec un pile satisfaction. Bon, côté par le chef gouvernement, Joseph Jout, il salue mémoire Étienne Moïse, qui était attaché à PIA, qui était croyé dans le changement, avec le progrès. Donc, de toute façon, nous-mêmes, dans le journal de PIA, croyons ce fait pour maman Grégory, par famille, avec famille universitaire là, nous présenter sympathie par le palais national, président PIA, Jovenel Moïse. Oui, on appelle les sympathies, qui sont à l'étranger, tant que président Luis Abinader, président dominicain, qui présentait sympathie la président Jovenel Moïse, qui perd du papa le week-end. Là, nous prenons plus de détails avec Alexandre Galvez, notre causé dans la parole, et puis dans le palais, là, on mort toujours, nous prenons. C'est parce que toute autorité au Canada, la police nationale en derrière, le directeur général. Là. Privé en témoin, papa DJ a capable de présenter. Samedi 10 octobre Cap Vinila, c'est possible pour Yofel l'Académie Police là. L'Académie Police en route frère. Et puis il y a un ministère de l'Éducation nationale qui lui-même salue mémoire. Jean-Marie Hardy Pierre, ministère de l'Éducation nationale, dit la prenne à Campil. Tristesse nouvelle, la mort professeur syndicaliste Jean-Marie Hardy Pierre, samedi 3 octobre 2021. Éducateur sage, ouvert et respectueux, tolérant et humaniste, professeur Jean-Marie t'est formé plusieurs générations élèves dans l'institution Saint-Louis-de-Gonzague, dans le collège Saint-Pierre, Saint-Louis-de-Bourdon, Côte-Plage et Canapé Vert, avec un lycée Anténor Firmin et lui, Joseph Janvier, dans Carrefour, fondateur Confédération nationale enseignant haïtien et au CNH, dans le mois avril 1986, il était conseiller dans le bureau exécutif organisation SA et puis occupé poste secrétaire en formation. À la formation syndicale dans le bureau exécutif CNDH et l'ITETO instigateur et animateur émission La Voix des enseignants. Jean-Marie Teto fait service offrit service l'ITO à ministère éducation nationale à ministère jeunesse sport et action civique. Homme intègre avec une grande culture, Jean-Marie Hardy-Pierre est définitivement un modèle pour jeunes enseignants et syndicalistes. Jeune aujourd'hui, ministère éducation nationale présenté sympathie la famille et amis à proches et toute grande famille CNVH qui en deuil donc avec nouvelle la mort professeur Jean-Marie Hardy et Pierre qui mourit samedi 3 octobre 2020. L'autre nouvelle c'est délégué départemental Ouestland Pierre Gary Bernadotte à travers bureau communication délégation a démenti à toute fausse information qu'a comme quoi délégation a manigancé yon plan assassinat contre journaliste analyste politique RCH 2001. Je voulais parler de Maître Morin. Pierre Gary Bernadotte qui voulait jeter nouvelle ça rappelé travail délégation pas gain en yon pouwe à position yon journaliste a gagné. Dans ce sens, délégation départementale l'Ouest la renouvelé engagement pour continuer travail pour aider population surtout si la yo qui dans quartier défavorisé yo. Bataille
youn ak lot pap mené société à aucun côté. Au contraire, c'est tout haïtien qui doit mettre tête yo ensemble pour changer image pays nous. Pierre Gary Bernadotte toujours dans notre salle rappelé, il pas gain aucun problème ak journaliste et puis délégation pas mêlé dans aucun plan pour attaquer journaliste. Fin de citation. Voyez là n'a pas entré dans ça gain rapport avec n'a pas parler la justice puisque depuis plus passé deux mois la justice elle est dysfonctionnelle oui. Avec grève et n'a pas appelé jeudi c'est réouverture année judiciaire là donc il est possible pour nous parler avec en tout cas deux principales responsables organisations magistrats dans l'occasion mais nous allons parler avec Martin Henné qui c'est président association nationale greffier haïtien yo sous grève ça qui va poursuivre hein juste qu'à semaine ça encore parce que jusqu'à présent selon yo yo pour rejoindre satisfaction une grève qui est lancée depuis ça gagne presque puis passer deux mois côté la justice là n'a pas fonctionné. Maître Martin Henné, bonjour. Bonjour Gabriel Diessel, bonjour Pierre Winé, bonjour. Bob c'est Jean-Mona, bonjour, bonjour avec Panélis Caraïbes FM. Bonjour avec tout greffier, commis paquet, huissier, magistrat, assis et debout dans le système judiciaire. Là. Bonjour avec tout doyen et bonjour avec toute autorité qui est dans le ministère de la Justice. Bonjour avec ça qui fait partie du CSPI, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous saluons, et n'appelons que depuis le jour qui est 28 juillet 2021, côté que ANAD a annoncé une grève et qui a commencé juste à même pour nous demander, puis bon, conditions de travail, pour nous demander de respecter l'accord 2017 avec 2019 là, et en façon que vous griffiez ou même êtes capable de râler en souffle par rapport avec discrimination, avec mauvais traitement et à subir notre système ça. Mais nous tombons des nuits. Les que nous aujourd'hui, c'est lundi 5 octobre 2020, qui est réouverture et reprendre des travaux judiciaires. Et ceci, nous avons fait plusieurs ententes avec le ministère de la Justice, côté que nous avons entendu que avant que ça arrive, nous avons été en chita avec une dernière fois pour être capable de nous issue favorable avec le mouvement du grève ça. Et ce matin, nous parlons de nous pour nous dire que pour nous chita avec eux, égal pour nous dire, mais qui ça ou pas nous dans nos groupes budget qui vont dire ça, et mais qui ça ou pour maintenant par rapport avec statut greffier. Par rapport avec greffier qui sont dans l'école magistrature pour nous nommer, ou par rapport avec greffier en chef, bien pour nous nommer, ou bien ensemble de revendication. Non, égal, sous demande tout greffier avec Koumi Paken. Bon, si vous voulez technique, vous avez dit contact avec Metlan qui a parlé non de revendication greffier, greffier yo, qui c'est plume juge yo, sans yo, magistrat yo, pas rien, yo capable de faire véritablement, et qui a des revendications, yo te font camper déjà, autorité yo, dans le ministère de la Justice, te joint avec yo, te dit comment il a privé améliorer les conditions yo, mais malheureusement, yo est temps à passer, en imparfaite, yo reprend bâton pèlerinage encore pour capable porter flambeau revendication yo ensemble revendication yo c'est qui ça 1 2 3 4 chez mètre oui ensemble revendication yo nous gagnons encore qui tient jour qui était 3 novembre 2017 là qui est la dernière 6e point ministre qui pour maintenant que il va faire suite favorable avec statut relatif au greffier de service de justice et yo te promet nous que t'as pas nous relèvement salarial graduel à partir de l'exercice fiscal 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous te promettons que après mettre tout greffier dans le pays en cas d'assurance que l'on touche l'argent non sur le tir au papa non. Et il te promet tout le temps d'autres choses dans l'accord 2017. Ça. Dans l'accord 2019, le ministre a dit qu'il promet nous. Nous pas nommer greffier chef dans tout tribunal de paix. Il te promet nous tout que nous avons nommé greffier qui sorti dans la promotion de l'école magistrature 2017. Yo. Et ceci avec tant d'autres choses, il te promet nous dans l'accord 2019. Ça. Et là, je dis, nous constatons que pour qu'on ait un lien qui fait clair, parce que avant dernier conseil des ministres qui vient là, il te parlé du statut nous en conseil des ministres, mais jusqu'où il n'y a pas sorti ni un arrêté d'application, ni un décret pour t'a dit, pour t'a mettre
un statut en lui-même en fonction de pour mettre un statut à lui-même en application. Mm-hmm. Et le relèvement graduel que vous prévoyez, nous croyons que la PNDE l'a annexé par rapport avec statifié parce que nous-mêmes dans le statut, l'agent griffé est calqué à 75% par rapport avec du jour, mais le ministère de la Justice n'est pas d'accord pour qu'on calque sur du jour. Et puis nous avons modifié, nous avons calqué le salaire sur l'agent coupé chef gouvernement avec chef gouvernement. Le conseiller ne nous a pas dit nous, est-ce que nous d'accord ou bien est-ce que nous pas d'accord, et ceci que pour qu'on ait un lien vrai qui fait clairement dans la question de statut. Nan ale nan gri salarial lan, et pour la pour ta augmenter et l'argent greffier yo à combien ta dwe la, quel bon pourcentage là? Bon, l'agent greffier, moi je dis bien que la modification de l'autorité a été demandée pour calquer par rapport avec ça, le commissaire, à 75%. Mais nous pas tenir compte des montants, seulement demander pour calquer de manière sans façon que nous-mêmes nous réfléchissons pour que ça soit grève, greffier à répétition dans le système dans les qui ça l'est en greffier à l'heure actuelle? Pardon? Ça l'est en greffier? À l'heure actuelle, ils ont greffé tribunal de paix avec un coup de paquet, ils ont gagné 8500 gouttes sur compte, 15800 gouttes sous chèque, ils ont touché. Ils ont greffé au niveau tribunal de première instance, mais en première instance, ils ont gagné 23000 gouttes qui viennent sous chèque, pour greffier qui n'a coup d'appel. Donc on est greffier qui n'a coup de cassation parce qu'on est mouillé avec nous, ça veut dire que nous pas accentuer sur lui parce qu'il y a un propre budget par eux, un traitement qui plus ou moins ou amélioré. Nous imaginer à travers mouvement ça, système là est vraiment paralysé. Dit pour auditeur yo, bon qui pas initié en droit yo, qui rôle on greffier dans système là, qui ça nous représenter pour système là? Ok, yon greffier, nous t'es capable de lire yon plaque tout notre pour tribunal, nous t'es capable de lire tout le monde, et parce que c'est greffier qui jouait enfin un rôle très 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 important dans le système. Mm-hmm. Et greffier, c'est plus magistrat en émotion, c'est plus magistrat. Oui. Effectivement, mm-hmm. C'est pas seulement plus magistrat, mm-hmm. C'est greffier qui est responsable archive tout tribunal. Mm-hmm. C'est greffier qui va expédition, c'est greffier qui peut parler notre audience, c'est greffier. En fait, qui préparer, qui pouvait remettre un certificat bonne vie, mais c'est lui-même qui fait recherche pour est-ce que mon salle de bonne vie, mais est-ce que mon qui était condamné ou pas? C'est très fier qui vous délivrer le certificat de bonne vie, mais sur ça seulement, lui va juger la sienne. Mais dans le cas judiciaire, c'est très fier même qui vous signe. C'est très fier en fait pour recevoir tout document ou déposé, tel que souvent on document déposé au niveau pénal, on dossier, c'est greffier pour recevoir les qui vous connaît. Si toutefois qu'il est au niveau civil ou un gros procès ou à faire, quel que soit valet carotel de c'est greffier qui pour recevoir les garder toute pression et puis pour baou ils ont accusé exception attestant que les recevoir. En fait, greffier sans les mêmes criminels en les paralysés. Mais nous même ça qui connaît nous, c'est parce que dans 3 mois de grève, parce que nous commençons depuis 28 juillet, je vous dis, nous avons 5 octobre, nous sommes 3e mois de grève. Jusqu'où il y a un CSPJ qui est organe régulateur du système judiciaire. Là. Jusqu'où il y a un pas même mal au bout de fil pour t'acheter avec nous pour t'acheter Haldi là. Ou bien comment nous capables de joindre un monoporan ensemble pour voir comment nous capables de l'écrire. Vraiment, côté que CSPJ, tous les droits pour t'arriver le ministère de la Justice ou bien Chita avec le ministère de la Justice pour t'avoir comment nous capables de nous réussir. Avec question ça. Et ceci, CSPJ aujourd'hui, niveau et l'agent dans tout tribunal première instance, sur côté que pour doyen ou organiser des activités, pendant que CSPJ connaît pertinemment les greffiers sont en grève. Et ceci, Bidjan li à peine voté, là nous gardons dans tout la coin dans Bidjan, nous parlons quand vous parlez de greffiers ou même. Nous parlons qui ça vous dit, vous avez greffier ou là dans tout temps, vous parlez pour la police. Je parle pour professeur l'école, je parle pour infirmière, mais la justice, CSPJ même, nous constatons que CSPJ lui-même n'est pas greffier ou régler un yé pour lui. Égal CSPJ, pas la justice.
justice régler rien pour lui qui actuellement là côté que tout le monde a réfléchi avec ça pour dire mais côté on peut aller avec justice ça parce que sans créer une justice fonctionnelle et ceci population est capable de constater ça en ce dernier assise criminelle pas organisé pas gagné qu'un service civil qui prend comme nous faisons période de vacances judiciaires pas gagné assise pas gagné audience correctionnelle qui prend égal pas gagné cabinet de justice travail ça veut dire que vous paquet de monde qui a coupé dans prison soit qui a arrêté pour détention qui en détention illégale, ça y tout qui est en santé, détention illégale, mais tout, il y a coupé même en audience en habeas corpus, pas vraiment la majorité criminelle dans le pays, hein, également. C'est une justice qui paralysait complètement dans le pays, hein, pourtant, CSPJ lui-même, lui, pas mettre accent sur le PC, lui, pas chita avec nous, même l'autre, lui, pas sauté sur ça. OPC qui fait office protection des citoyens, est-ce que citoyen ça est en prison, est-ce que OPC connaît ou existait? Parce que OPC pas même nous rencontrons tout au PC pas sorti en quelle note pour demander avec l'État, pour l'État pencher sous Cagrifio, égal ça joutiant les toute population y a regardé avec un yeux côté que y a pile tristesse là-dedans à tel point que ni au PC ni CSPJ ne va faire en rien pour grève, ça t'a levé. Et ceci, ministre justice en lui-même, lui fait au moins environ 4 rapports avec nous, côté que lui fait nous des promesses, mais c'est des promesses que ministre toujours fait nous, comme nous pas respecté, égal, griffé, ou dit, semaine ça, yon, non, semaine ça, nous pas nos promesses encore, faut que nous fassions des bagailles concrets, faut que nous fassions des bagailles dans mais nous, pour que ça lui-même n'est capable de lever. Et ceci, nous-mêmes, bon côté griffé, nous. Est-ce que nous avons un tri particulier? Est-ce que nous avons un tri pour débloquer la situation? Hein? Est-ce que nous avons un tri particulier? Parce que, ensemble, on c'est sûr que nous pas besoin de satisfaction rapide avec eux, mais est-ce que nous avons tri et particulier sous ça si nous t'ajoutons que n'a plus vu grève là en attendant? Si matin là, nous venons arrêter qui dit que ça que nous avons voté, grève là tout levé. Ok. Grève là tout levé. Grève là tout levé. Et nous carrément tout pour le ministre en grève. Nous pour le dire, monsieur, mais nous arrivons dans le mois d'octobre là, monsieur, dame, mais ça nous parle dans le mois d'octobre là, nous devons être capables de payer une grève. Mm-hmm. Et nous faisons rencontre vendredi. Parce que jeudi soir, vers les 11h du soir, nous recevons un texte beaucoup du ministère de la Justice qui pour dire nous-mêmes nous faisons rencontre. Pour toutes les filles qui sont contents, que nous faisons que grève, ça nous va le faire grève la dernière, parce que nous allons chita avec le ministre de la Justice. Là. Mm-hmm. Maintenant, vendredi matin, vendredi au cours de la journée, nous te recevons notre coup de fil encore qui te dit ministre Léotien encore encombré beaucoup de BRH. Et ce personnage qui était en contact avec moi, lui-même était sous le de CPJ, il était en blocus, tête chargée, n'importe où presque vendredi, égal, il était renvoyé comme ça. Moi-même, en tant que président NAC, je suis toujours moins disponible pour me faire, pour me participer à un compte ça samedi, depuis au bas mon texte, moins disponible pour nous participer à la dernière dimanche, depuis au bas mon texte, et ceci, nous toujours disponible, toujours, jeudi, lundi, pour nous participer dans un compte ça, automatiquement, c'est question de parler sur les revendications crucifiées, capable de grève dans la question ça. Mais juste matin, quand je parle avec vous là, nous ne pouvons pas recevoir un coup de fil beaucoup de ministères là, pour nous faire un rencontre côté que pour nous être capable d'accorder un trêve ou bien lever grève ça de façon définitive. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ceci, je voudrais dire avant d'aller, n'a pas demandé avec tout greffier pour aller dans le tribunal loutien avec Jeans, avec Mayo, pour ne pas prendre siège, pour ne pas séance assise criminelle, pour ne pas faire ouverture des travaux judiciaires. Et là, que doyen yon yon organisé yon fête avec l'agence FPJ, bah yon, mais pour greffier yon même, yon pas prendre en quelque part là-dedans. Et nous souhaitons que tout greffier tribunal de paix yon aller dans le tribunal première instance yon pour solidariser yon avec greffier dans le tribunal première instance yon pour yon parler dans la presse, pour yon exprimer des frustrations yon dans le micro la presse concernant l'ouverture des tribunaux qu'a fait jeudi et puis sans que yon pas qu'on réponde avec nous, c'est tout greffier yon. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, année judiciaire là, qui a démarré sous front grève UCE qui paralysait fonctionnement tribunal. Il y a un système judiciaire qui était déjà à mal marché. Koulia nous peut le parler. Il y a un juge Jean-Willer Mouret, qui est président de l'Association nationale magistrat haïtien. Anana. Juge Mouret, bonjour. Bonjour Pierre Rounel, bonjour Guerrier, bonjour à tout auditeur Radio Raïm. C'est avec plaisir madame de prendre la question. Oubliez frère. Ou pas salut frère. Oui, allô? Magistrat, on passe à lui, frère, Bob. Oh,
Bob là. Bonjour Bob, bonjour Bob. Ah, mon cher, si tu dis, ouais, on bat qu'on est gros là. D'accord. Ouais. Ok. Et moi, je suis bien content, vous connaissez toujours avec un peu de plaisir. Oui, oui. Pour être en dehors. C'est ça, mon frère. Bonjour. Même amour, d'accord. Oui, dans l'introduction, Pierre Renel, là, il rappelait que l'ouverture à l'année judiciaire, là, il a fait dans le contexte, côté grève, greffier, paralysé tout appareil justice là. Nous, au niveau Anama, qui ça nous essayer faire? Est-ce que dans ça nous comme leadership, nous essayer parler entre protagonistes pour au moins pour le nous arriver à résoudre que la justice là a recommencé à fonctionner? Et bien, guerrier, quittez-moi dire que nous vivons dans une situation côté que je dis à il n'est plus question que nous continuer avec grève, mais il est question pour nous parler. Et parler à l'IPAPE sorti de l'autre côté que au niveau des autorités, parce que nous sommes les Martin qui a parlé tout à l'heure. Martin pas besoin de l'autre bagaille que Chita a parlé pour être capable de joindre une solution à la crise. Mm-hmm. Parce que et nous comprenons que chaque monde qui est en prison qui besoin de paraître devant juge. Nous comprenons qu'il y a un pile d'autres monde qui c'est justiciable, qui besoin de service public, ça, qui est la justice là. Et pour nous joindre, il faut que le tribunal là, lui-même, il est capable et compétent. C'est ça. Il faut que le fonctionnel. Compétent. Mm-hmm. Et c'est pour le tribunal là compétent, il faut qu'il y ait un juge, il mm-hmm. faut qu'il y ait un greffier, il faut qu'il y ait un huissier dans, à certains niveaux. Donc, nous autres, je dis à nous comprendre que greffier au guérison, parce que c'est pas jeudi que greffier au grand accord que au signer avec le ministère de la justice et encore un grand ensemble de points à respecter. Donc à comprendre situation peut-être économiquement ou autre, il n'est pas capable de répondre à toute revendication tout au même fait. Moment. Mm-hmm. Cependant, l'étape bon que même Jean CSPJ était fait avec les magistrats. Mm-hmm. Yotachita et parler avec greffier, joindre un modus qui pour permettre les tribunaux de reprendre le travail rapidement. Parce que figurez-vous, je dis à nous sommes le 1er lundi d'octobre, qui fixait la rentrée dans une nouvelle année judiciaire, non pas capable. Et vraiment d'accord que pays a lui-même les bloqués, parce que lorsque la justice est bloquée, le pays ah oui. est bloqué. Mm-hmm. Donc c'est à ce niveau que nous autres, nous conseillons au ministre de la justice et avec tout l'autre monde qui est un peu ouais dans ça, pour être capable de parler avec greffier, pas ça qui est possible pour nous parler et pour rapidement travail capable de reprendre pour que le monde qui est en prison depuis plus que 3 mois et 2 mois de grève là, qui n'a pas vraiment paraître devant juge pour paraître, parce que figurez-vous Bob et Pierre Renel à tous les guerriers et c'est même monde ça qui est en prison par an c'est eux payer taxes toutes gens sous toute forme sous tout mamie du riz sous gaz sous tout côté et qui paye les magistrats qui paye les greffiers qui paye le chef de l'État qui paye le ministre de la justice qui paye nous tous dans l'État. Donc monde ça faut nous passer avec tout et c'est ça qui fait que nous avons responsabilité en tant que homme État, en tant que responsable dans l'État, où nous avons discuté pour nous trouver solution à la crise. Est-ce que dans le budget qui fait sortir là, puisque maintenant, nous avons un grand titre, nous allons arriver sous l'île, c'est que gagner des prévisions qui faites pour la police nationale d'Haïti, et vous parlez de l'armée d'Haïti, pour renforcer l'île, est-ce que, ou même les nous analyser de fond en comble, pas gagner prévision pour justice là, est-ce que pas gagner moyen pour être capable de vivre satisfaire aux revendications en pile dans le greffier? En effet, et là nous parcourir
et budget que nous font études minutieuses sur le budget parce que nous autres au niveau des associations nous tenons une position commune des, lors de, du dernier mouvement mais pour qu'on y a nous devons tout gagner en position concertée et c'est pour raison ça nous autres au niveau des associations de magistrats avons étudié budget pour nous capables de position cependant pendant que pas gagné non disons de toute façon s'il te gagne s'il te gagne des considérations particulières on t'a bien au courant parce que moi pour considérations particulières le fait de plus mettre accent sur la police il mettait accent sur force l'armée d'Haïti matériel pour renforcer la police nationale là qui besoin réellement mais nous pas vraiment ouais vraiment non il parlait de justice l'assemblée greffier pas arrivé sur yo. Bon, non, coup d'œil évasif que me fait, pas ouais, des précisions qui baillent, j'en dis la bombe, sous et secteur ça. Cependant, donc, ouais, que le ministère de la Justice, il gagne un budget. Et puisque le ministère de la Justice gagne un budget, tout comme le CSPJ, il gagne un budget, il y a fait ventilation du budget, pour voir comment il est capable de répondre avec les revendications de personnel qui gagne dans le secteur. Ça. Donc, c'est pour raison ça, nous trouvons que l'impérieux est important que Yoshita lui-même, chaque secteur ça y est, parler avec personnel yo, parler avec les greffiers yo, huissiers yo, secrétaires qui en dans tribunal yo tout, parce que greffier aucun problème. Moi-même, moi solidaire 100% avec greffiers yo, huissiers yo, mais les personnels yo tout, secrétaires ça yo, qui a tapé, y a des fois son petit contrat yo gagne, yo a renouvelé petit contrat, y a deux fois pas renouvelé lui, et ménagère en dans tribunal yo. Y a tout le monde ça yo. Oui, y a un chômage déguisé. Son chômage déguisé. Bon Dieu, tout le monde ça yo. L'idée tout que ministre là li a pensé ensemble avec. Et pour sa fête, Bob, je pense que c'est ministre la justice là, je dis, qui pour mettre fin avec grève là. C'est pas association greffier yo pour nous demander ça moi c'est ce ministre là parce que ministre là il est capable penser que moi même peut-être moi pas vraiment pratiquer mais qui aime faire crédit les cachet à parler avec avec greffier yo qui aime faire crédit là pour les administrateurs en dans ministère là pour ouais comment capable dans ventilation joindre et en satisfaction pour greffier yo et garder ensemble le protocole d'accord qui a été signé, hein, qui est capable de faire dans l'immédiat, parce que je dis à la, l'Italie en journée de rentrée, même genre, et excusez l'expression, quand on est rentré des classes, oui. Tout le monde bral, et content pour retrouver les camarades. Il a bien, je dis à tout, on journée de fête, côté magistrat, et greffier, huissier, tout le monde en dans le tribunal, et même détenu tout, il a content parce que ça t'a pris la possibilité pour être capable et pencher ce dossier pour qu'on ne se parle. Et ministre Rockefeller, mieux placé pour qu'on ait un problème, yo, parce que le temps dans le système, non, il connaît, genre, fonctionnement, il a fait, et à entendre greffier qui se parle là, vous sentiez que, vous sentiez au négligé, yo minimise yo et comme si yo lagué dans un panier de l'oubli on t'y parle à qui à monter moral yo sérieusement Bob qui t'aime d'où on vient l'impression que dans pile monde qui pas dans le système là les ou paraît dans le système là peut-être yo sensible sensible nous prenons le cas de Paul Denis par exemple qui pas un avocat mais ouais que des fois et dans à un certain niveau des fois le content dit bon et dans pile magistrat qui passait dans le système là qui venait comme ministre mais malheureusement des fois yo bon nous pas connaissez si c'est conseil ou conseil vous fait la sourde oreille nous voyons que magistrat yo pas vraiment insensible embrasser cause yo dans situation yo pas embrasser cause c'est ça. Et magistrat pareil yo greffier qu'on travaille ensemble avec yo huissier qu'on a signifié papier pour yo secrétaire
tête qu'on tape papier. Les matins a profité l'occasion pour dire pour pas faire tête yo et des scorpions qui a piqué propre tête yo. Moi quoi, pense que ministre Rockefeller et Jodia d'après information gain c'est pas un monde qui paraît mais et un système non, au contraire il dit que il y a difficulté que la travail pour corriger ça. Pense que la paix a embrassé la cause des greffiers jeudi, l'a parlé avec eux, l'a fait eux comprendre ça, le capable d'ailleurs, et pour que au moins nous gagnions année judiciaire, année ça, qui n'a pas perdu. Parce que tout perdu là, deux années judiciaires, Bob, on était marqué par crise politique, à côté que tu as un pays loc, qui marqué par crise sanitaire, qui marqué par la grève des magistrats, grève des greffiers et insécurité généralisée. Ah oui, ah oui. Nous souhaitons à Nessa, au moins, nous gagner une année judiciaire, côté que tout le monde qui a un dossier de la justice, tout le monde qui est en prison, l'autre monde qui a rien, pour nous utiliser le service public, ça, qui c'est la justice, il y a une possibilité pour le faire. Et pour nous jouer une possibilité pour le faire, c'est nos concordes. C'est dans, on s'est parlé, c'est dans discussion entre les différents et monde qui est dans le système qui est responsabilité, que l'association de magistrats, comme association de greffiers, de huissiers, que ou c'est ministre de la justice, directeur général du ministère, que ou c'est le président du CSPJ et membre du CSPJ, donc c'est la, et que le président de la République ou bien le premier ministre, donc tout le monde sait, vous pensez que vous avez intérêt pour justice la marcher, et vous pensez que vous souhaitez, pardon, que vous faites tout ça qui est nécessaire et utile pour que nous avons une bonne année judiciaire. Et comme moi connais pas vous le système dans tout, je vais profiter du moment pour me souhaiter où, à toute Pierre Winel, ensemble avec Guerrier, tout auditeur, auditrice, magistrat, collègue, moyen, huissier, greffier, une très, très, très bonne année judiciaire. Mais avant d'aller, maître Morin, nous avons un pile revendication dans le secteur, tout comme un pile critique sur le comportement de certains magistrats et leur personnel dans le système d'un côté attentif, pas manqué, même Jean ou fait de souhait, qui est adressé directement à nous là, et dans l'occasion ouverture à l'année judiciaire, nous avons fait un souhait pour le système, nan, en lui-même, bon match système, nan, et pour permettre les jouer rôle li comme ça droit pour la nouvelle année. Ça. C'est un jugement d'un qu'on renouvelé, qui t'a supposé. Ok. Bien, Renel, nous vraiment conscients que le système n'a pas marché bien. Et c'est une raison qui fait une dans l'objectif, non, c'est travailler ensemble pour nous gagner une très bonne réforme qui fait au niveau de la justice. Parce que la justice a fonctionné là, pardonnez mes expressions, même pas capable de la justice. Parce que justice sont bagaille qui est équilibrée, justice sont bagaille. Lorsque yon moun gen problème, ou beaucoup tel pour capable de joindre que li prononcer avec équité, avec justesse. Ça nous gagne là, pas gagne ni équité la donne, ni justesse la donne. C'est pourquoi en amas beaucoup de parle a plaidé pour une réforme judiciaire en profondeur en Haïti. Mais quittez nous dire que pendant que nous avons parlé de greffier qui a un problème, nous autres aussi au niveau de la magistrature, nous avons fait au trêve les, au bout de l'année judiciaire pour nous permettre de bagaille de reprendre. Et, mais ce n'est pas que nous avons une satisfaction. Parce que nous félicitons le CSPJ qui était prend en pile et en pour te discuter ensemble avec nous et yo même yo discuter ensemble avec l'exécutif et yo te fait nous un ensemble de promesses et là m'a dit yo te fait nous un ensemble de promesses c'est la magistrature et qui dans moment ça te gagné l'ANAMA APM, Association Professionnelle des Magistrats, t'es gain le Réseau National des Magistrats Haïtiens, et t'es gain l'Association et des Juges de Paix. Nous, tous ensemble, nous t'es fait un bloc et nous t'es discuté avec le CSPJ qui t'es fait nous ensemble de promesses. Promesses qui t'es gain, c'est que on va le passer main dans le tribunal et qui t'es mis au bord, en même temps, de tout temps, on va plaindre de ça. Et
année judiciaire ça pour commencer pas quoi pas repasser même dans tribunal de paix. Tribunal de paix toujours été dans totioté. Ah oui. J'ai toujours été mal d'enfant pas incident. Dans Fatra était dans la section nord et j'ai toujours été même gens. Ou à côté placé là-bas, ancien tribunal et première instance pour au prince là, non, petit taille. L'eau pour entrer là-dedans, faut que je m'arrête pour entrer là-dedans parce que c'est on préfabrique que lien. Parce que il n'y a pas fait rien là-dedans. Nous, ouais, que Jacques Mel, malgré son grande juridiction, mais ouais, Jacques Mel, nos ancienne maison, nos ticailles, côté l'IA, jusqu'à présent, c'est pour côté pour t'a mettre en tribunal première instance, Jacques Mel, là. Alors, pour me camper là, pour me citer tout notre côté. Malheureusement, dès que moi-même, bon côté, pas m'a plaidé en pile pour délocaliser le tribunal là, oui, bon côté lié à là, mais malheureusement, il n'est pas capable de faire, mais faut au moins qu'on sécurité pas pour le tribunal là seulement mais pour qu'on sécurité pour toute zone côté tribunal là y a, parce que son zone criminogène liée à Port-au-Prince. Alors qui t'aime fini pour me dire que une revendication qui t'est gagné c'est le renouvellement de plus d'une soixantaine de mandats de magistrats et la discussion que le président Sylvestre le juge Durand-Duret t'est gagné ensemble avec le conseiller Jean-Baptiste t'est gagné avec le président de la République. Le président de la République t'a dit que il faut que vous formez une commission qui pourra permettre que vous penchez sur le renouvellement des mandats et ça pas de durer une semaine. Et nous presque bien 3 mois, et voilà que nous sommes à la nouvelle année judiciaire. Le premier jour, le jour de l'ouverture des travaux judiciaires, voilà que les mandats ne sont pas renouvelés jusqu'à présent. Nous souhaitons tout que nous ne pas porter les magistrats et pour eux-mêmes à la prendre en l'autre mesure qui est fait nous arriver non arrêt de travail. Nous pas souhaiter ça ni ça. Nous pas besoin arrêt de travail. Nous a demandé rapidement que ouais comment yo capable adresser les différentes revendications des magistrats et pour que nous gagnions une très bonne année judiciaire. Encore à vous tous et à vous toutes une heureuse année judiciaire que Anama souhaite. Merci magistrat Jean Wilner Morin Colia c'est nous allons parler avec Maître Wando Saint-Villiers, doyen tribunal civil Jacques Perle, qui est principal responsable de l'association professionnelle magistrat. C'est vrai, c'est peut-être même revendication, oui. Même constat. Mais quand même, on 2-3 minutes avec magistrat Wando Saint-Villiers. Bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Bonsé. Bonjour, Pierre-Renel René. On va saluer le collègue Jean-René Morin. On salue Griffin. Martin, on m'a salué tous les collègues magistrats, que ce soit magistrat assis ou bien magistrat debout, on m'a salué tout personnel administratif et judiciaire, système, et tout auditeur, auditrice, Radio Caraïbe. On t'appelle le magistrat Jean-William Morin, qui ça n'est peut-être pas dit, dans l'intervention, puisque nous, on n'a pas défendu la même cause là, je viens de dire tout à l'heure, donc, à les judiciaires qui a pour ouvrir là, dans un contexte côté tribunal, censé dire, fonctionnel à cause de grève greffier. Alors, il faut dire que dans l'ensemble, magistrat Jean-Louis Morin a abordé tous les points et nous avons des greffiers, Martin et Neto, que moi, en contact ensemble avec lui pendant toute période ça. Et il faut dire que pas quoi gagner volonté au niveau du ministère de la Justice pour résoudre le problème là. Parce que l'autre a posé, et collègue Morin, question qui ça nous fait dans le leadership nous, au niveau des associations de magistrats pour être capable de résoudre le problème. Il faut me dire, bon côté par nous, dans l'APM, nous avons essayé de faire des démarches de manière, je dirais, informelle avec le ministre de la Justice. Là. Et en façon pour nous, est-ce que le problème est capable de résoudre? Et nous sommes en contact tout.